Assis à mon Liliane, restauratrice, et c'est elle qui nous accompagne pour cette émission. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Sans plus tarder, on va la faire venir. Bonsoir Liliane. Bonsoir Christiane. Comment ça va? Moi, c'est Fala. Alors, assieds-toi. Alors, ça va? Oui, ça va. Je sens que tu n'es pas stressée, hein, ça non, va? Non, non. Donc, souris, tu es jolie. Ça va. Ça va? Oui, oui. D'accord, mais dans la semaine, quel est ton jour préféré? Bon, mon jour préféré, c'est le samedi. Le samedi. Oui, oui. Et quelle est ta plus grande joie depuis? Quand tu penses à ta vie, qu'est-ce qui t'a fait plaisir? Bon, qu'est-ce qui te fait plaisir? C'est le jour de ma dot. En tout cas, ça m'a beaucoup... C'était intéressant. Très, très. Puisque mon mari m'a surpris avec ça. Ah, tu ne t'es pas informée qu'il venait? Non. Qu'est-ce que les gens aiment chez toi? Bon, les gens disent que moi, je suis accueillante. Mmh, en tout cas, gentille. Oui, oui, je souris à tout le monde. Ok. Mmh. Et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas chez toi? Bon, il y a beaucoup qui disent, moi, je suis beaucoup nerveuse. Ils m'énervent. Est-ce en que tout c'est cas, vrai? On peut cas, dire, mais est-ce que c'est vrai? Bon, c'est vrai, je ne peux pas me dire. Pas t'es fâchée ici. Hein? Non, non. D'accord. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu aimes chez les autres? J'aime les gens qui sont accueillants. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les autres? Bon, menti. Tu n'aimes pas les gens je n'aime pas. Ne disent pas la vérité? Non, non. D'accord. Quel est ton plat préféré? Bon, mon c'est plat vrai que tu prépares toi-même, tu es dans la restauration. Oui, oui. Mais qu'est-ce que toi, tu aimes manger? Bon, c'est du... Puisque je suis attirée, donc c'est du foutoir biocosseux. Ok, donc le plat préféré, c'est le biocosseux. Oui, oui. Est-ce que quand tu étais petite, tu voulais devenir... tu voulais faire un métier? Et puis quand, bon, avec les circonstances, avec la vie qui avance, tu n'as pas pu, tu as fait autre chose. Bon, quand j'étais petite, j'aimais le commerce. Ok. Oui, oui. Dieu merci, il a exaucé mes prières. Tu es dans le commerce. Oui. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un pays qui te plaît à part la Côte d'Ivoire? Bon, c'est le Canada. Et est-ce que tu as un artiste préféré? Bon, en tout cas, Ismaël Isaac, il me plaît beaucoup parce que quoi, ces sons-là me touchent beaucoup. Mm-hmm. Donc, c'est Ismaël Isaac. Oui, oui. J'ai pensé qu'on allait entendre peut-être une guille orchestra ou bien... Moi, ça me plaît, mais Ismaël Isaac... Il te touche plus. OK, d'accord. Et pour te détendre, qu'est-ce que tu fais? Bon, pour me détendre... Tu dors, tu écoutes Ismaël Isaac, tu fais quoi? Oui, en tout cas, j'aime beaucoup écouter la musique. Voilà, alors pour se détendre, elle écoute la musique. Madame, monsieur, si vous venez à peine de nous prendre en marche, bonsoir encore. C'est Amon Liliane qui nous accompagne. Voici son récap. Elle aime le samedi, samedi jour préféré. Sa plus grande joie, le jour de son mariage traditionnel. Elle est accueillante, souriante. Bon, on la trouve un peu nerveuse, mais bon, aujourd'hui, elle dit qu'elle va se calmer, elle va rire. Mmh. Elle sera très heureuse en votre compagnie. Elle aime les personnes accueillantes comme elle. Elle déteste le mensonge pour lui faire plaisir. Un bon photo biocosseux et puis vous avez touché son cœur. Elle a toujours voulu être dans le commerce. Le Canada est son pays préféré. Ismaël Isaac, son artiste préféré pour se détendre, tout simplement de la musique. C'est ça, hein? J'ai rien oublié, non? Non, non. Allez, viens Liliane. Et je me retourne vers nos chères dames. Elles sont assises. Ça va ma chérie? Ah, j'aime bien ta tenue, c'est joli. Merci. Ça va? Oui, ça va. Tata Nounou. Bonsoir, ma chérie. Et mes nounous, elles vont bien? Bonsoir. Fatemou. Oui. Ça va? Oui, ça va. Cher juriste. Liliana, c'est toi. Alors, bon, Fatem, elle va nous parler un peu du droit, de ce qu'on doit savoir, de ce que, enfin, comment faire pour faire les choses bien, pour ne pas avoir les problèmes avec la justice. Parce que quand tu es informée, il y a des choses que tu ne fais pas. Et puis, elle s'appelle Sandrine Akafou. Mais bon, tout le monde l'appelle Tata Nounou. Oui. Donc, souvent, moi-même, j'oublie son prénom. Et elle est là pour donner des conseils aux nounous. Pour dire, ah, dans la maison où tu es là, il faut bien attraper l'enfant des gens là-haut. Il faut faire comme si. C'est très important. C'est très important. Il ne faut pas faire comme si, il ne faut pas faire comme ça. Donc, elle est là pour leur parler. Elle-même, c'est une ancienne nounou. Donc, elle connaît elle sait comment ça se passe dans une maison. Elle est passée par là. J'ai bien parlé dans très vraiment. Bien. Le collier, il est joli. Hein. Oui. C'est maintenant que je vois ça, le bracelet du Donc, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Alors, aujourd'hui, c'est Liliane Amoin qui nous accompagne. Elle est restauratrice. On parlera de son histoire. Comment ça a démarré? Comment elle s'est retrouvée dans ce métier-là? Elle a toujours voulu faire le commerce.
C'est elle qui nous accompagne et puis on saura un peu ses aspirations, ses ambitions, sa vie, son foyer. Enfin bref, comment ça se passe? Alors Liliane, ça va? Tu veux boire un peu d'eau? Il y a des jus, il y a du jus. Non, hein? après. Tu es sûre? Oui, oui. Mais tu es à l'aise, non? Oui, je suis très à l'aise. Faut pas regarder la fille. Hein. Sois vraiment à l'aise et puis bon, nous on est très très contentes de t'avoir. Alors, tu as 3 enfants. Oui. Tu as un niveau CM2. Oui, oui. Et puis, ton époux, ton mari, vous êtes rencontrés à Bobo. Oui, à Bobo derrière Rai. Derrière Rai. Bon, oui. Avant d'arriver derrière Rai, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es arrêté au CM2? Il y avait des problèmes ou c'est toi-même qui as voulu simplement arrêter? J'ai parti à l'école avec ma petite soeur, celle qui me suivait. Et à l'âge de 12 ans, elle est morte. Donc, en tout cas, ça m'a plus donné le courage, puisque si maman me voit, elle pense. Elle pleure chaque matin, pleure. Vous partez ensemble à l'école? Oui, oui. Elle était en quelle classe? Bon, elle était en CP2. Waouh, c'était dur. Donc, en tout cas, ça m'a beaucoup découragée. J'ai dit à mon papa, moi, il ne fréquente plus. Mes tantes, mon grand-père, ma grand-mère, ils m'ont dit non. En tout cas, il faut prendre le courage. Elle est partie, il faut aller ta tête sur elle. Elle dit non. Si je vois maman pleurer chaque matin, en tout cas, ça me fait quelque chose. Ça touche. Donc moi, je ne vais plus à l'école. Ça t'a aussi touché, tu as partagé la douleur de maman. Très, très. Ouais, c'est une petite soeur, en tout cas, je l'aimais beaucoup. Donc c'est dans ça, j'ai laissé l'école. Parlons de ton mari, que tu as rencontré à Bobo derrière elle. Comment ça s'est passé? Bon... On était dans le même quartier. Un jour, je passais et puis il m'a appelé. Il a dit non, puisqu'il était chez ma tante. Il a dit non, que ma tante m'a envoyé. Il dit non, viens, je vais te parler. Ça ne sera pas long. Donc, je suis partie. Il a demandé mon nom. Il m'a demandé, tu vas où? Il a dit non, que ma tante m'a envoyé. Il dit bon, après on se voit. Bon, c'est dans ça. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est parti comment? Ta tante t'a envoyé, t'a demandé ton nom et puis c'est parti. Qu'est-ce que c'est parti? Mais tu as vite accepté aussi quand même, hein? Non, je n'ai pas vite accepté avec Christelle. Parce que quoi, il a fait 1 an derrière moi. C'est bien. 1 an. C'est bien. Tu as bien fait. Et la cousine de ma tante peut témoigner. Ok, tu as bien fait, oui. La cousine de ma tante peut témoigner. Mais pourquoi tu as accepté au bout d'un an? Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Bon, son sourire et puis avec... J'avais peur de ma tante. En fait, j'avais peur de ma tante. Mais donc, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter? Son sourire seulement, c'est tout. Mais dis donc, est-ce qu'il y a autre chose? Donc, c'est son physique qui t'a plu, c'est ça? Bon, c'est pas tout on dit, en tout cas. On a tout compris. C'est pas tout on dit, Christelle. Ok, donc il y a d'autres choses qu'on ne peut pas expliquer ici qui t'ont fait croire que celui-là, il ne faut pas que je le lâche. Je le lâche. Il ne faut pas que je le laisse partir. D'accord, on comprend, on se comprend. Et aujourd'hui, vous êtes ensemble, 3 enfants. Le premier à quel âge? Ou la première à quel âge? Ma première fille a 12 ans. La deuxième ou le deuxième? La deuxième a 7 ans. La troisième à 4 ans. 4 ans? Oui, oui. D'accord. Il y a une nous? Non. Ok, on en parle tout à l'heure. On va laisser toute la place à la jolie dame, là, Fatem, avec un joli foulard bien attaché. Merci. Merci. Et Fatem, tu nous parles aujourd'hui des clothes? Oui. D'accord, on t'écoute. Vas-y. J'aime bien ce petit style, là, chérie. Merci. Oui, la droiture. Allons-y. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons aborder la thématique des clauses ce soir. Par clause, comprenez simplement une disposition particulière d'un acte juridique tendant à en préciser certains éléments, notamment les modalités d'exécution. Comme exemple, nous avons le contrat de vente. Alors, dans un contrat de vente, les parties peuvent préciser la date de livraison ou encore le mode de paiement. Et sachez que les parties sont libres de fixer ou encore d'ajouter les clauses qu'elles souhaitent dans leur contrat. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la clause est jugée abusive? Ben, au cas où la clause est abusive, d'abord, le caractère abusif est jugé par le tribunal. Donc, en cas de litige, vous vous rendez au tribunal. Et si les tribunaux jugent la clause abusive, elle est simplement réputée non écrite.
Alors, le contrat suit son exécution normale, mais seulement que la clause, elle est réputée non écrite, comme si elle n'avait jamais existé dans le contrat. Dans un contrat de vente, où le vendeur demanderait à l'acheteur de renoncer à la garantie du bien, cette clause pourrait être jugée abusive. De même, dans les contrats de vente en ligne, une clause dans laquelle l'acheteur, sinon le cyberacheteur, renonce à son droit de rétractation, cette clause serait jugée abusive. Donc, nulle et non écrite. Voilà. Voilà. Et pour terminer très rapidement, en dehors de cette thématique, sachez qu'Internet n'est pas une zone de non-droit. Alors, faites attention à tout ce que vous y mettez. Merci et à très bientôt. Merci, Fatem. Alors, pour mieux expliquer à notre invité de façon simple, qu'est-ce qu'elle devrait retenir? Je suppose que tu loues un petit local où tu fais ta restauration. Donc, le propriétaire du coin que tu loues, il peut te dire dans le contrat de bail, c'est-à-dire le contrat qui te permet de louer mon petit coin là. Dans ce contrat, voici la date à laquelle tu dois payer ton loyer. Voici comment tu dois régler ton loyer. Il ne faut pas que tu vas me donner un chèque où je dois aller retirer. Non, tu dois me payer en espèces. Donc, c'est la petite phrase qu'il va mettre dedans, c'est ce qu'on appelle clause. Parce que ça ne vient pas directement des députés. OK. C'est vous-même. Ça, c'est entre vous deux. Voilà, ça devient vous-même votre loi. OK. Voilà. Tu as compris, non, Liliane? Oui, j'ai compris. Mais seulement que ton propriétaire aussi ne doit pas exagérer. Ça, c'est la vérité. Voilà, il ne doit pas exagérer. Actuellement, nous sommes là, il y a d'autres propriétaires. En tout cas, c'est trop. Ils augmentent seulement. Trop. Chaque mois. Chaque mois, son modèle. Yako, ça va aller. Alors, parlons maintenant du métier que tu fais. Tu es dans la restauration depuis combien de temps? Bon, ça fait 4 ans maintenant. Pourquoi avoir choisi la restauration? C'est vrai que le commerce, c'est ce qui te passionne. Mais pourquoi la restauration précisément? Parce que j'aime beaucoup la préparation, en tout cas. Tu aimes faire la cuisine? Oui, j'aime faire la cuisine. OK. Et ça a commencé comment? Bon, ça a commencé après la crise, quand on est revenu. Bon, puisque mon mari avait perdu son emploi, moi aussi, je ne pouvais pas m'asseoir là, croiser les bras. Bien sûr. Donc, dans le quartier, il y a une femme qui faisait le commerce, même chose. Elle faisait le restaurant. Mais je me suis approchée d'elle. Ah, tandis que je cherche travail. Elle dit, il n'y a pas de problème que moi, j'ai besoin d'une fille. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle m'a demandé, mais tu as une fille, tu peux faire. Elle dit, il n'y a pas de problème, tandis. Je peux. Non, c'est dans ça qu'on a commencé. Elle me payait 500 par jour. 500 par jour? Oui. Waouh. Elle me payait 500. Puisque je... Tu faisais là, tu préparais avec oui, elle? Oui, je savais ce que je cherchais dans ma vie. Donc, en tout cas, ça ne m'a pas découragé. On a commencé un peu. En tout cas, chaque soir, elle donnait mes 500, je partais à la maison. Donc, c'est dans ça. Son mari a pris maison. Et puis ils sont partis. Elle dit non, Liliane, en tout cas, tu es courageuse. Faut rester. Tu es bien, faut rester dans mon magasin. Tu es respectueux. En tout cas, tu accueilles les gens bien. Voici la place. OK, donc tu l'as remplacée dans son magasin. Plus, bon, en ce moment, il n'est pas encore commencé, puisqu'il n'a pas les moyens. 500 qu'elle me donnait, hein. Mon mari s'est débrouillé. Après la crise, il a perdu son emploi. Donc quand tu rentres à la maison, 500 finis. Non, ça ne finit pas. Il fait l'économie. Okay. Si tu as déposé 100 francs, il dépose, 200, il dépose. Ça, c'est très bien. C'est dans ça, puisqu'il n'a pas les moyens. Donc, un jour, il y a une tante encore, il est croisé. Elle dit non, que je cherche quelqu'un pour m'aider à faire le placalif. J'ai dit, tante, je peux faire. Mais tu vas me payer combien? Elle dit non, je vais te payer 1000 francs. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est dans ça, on a commencé. J'ai fait 2 semaines. Elle, j'ai dit non, tante, je ne vends plus. Elle dit pourquoi? Elle dit non, tant pis, je ne fais plus. Pourquoi? Puisque moi-même, j'avais l'impression de faire pour moi. Donc, le soir, mon mari a quitté dans ses grillements. Il est venu. Il dit non, chérie, tu vois, actuellement, je travaille pour les gens. Non, je ne veux plus travailler pour quelqu'un d'autre. Je veux faire pour moi-même. Et il m'a demandé, tu es sûr que tu peux? Il n'y a pas de problème. Si je travaille pour les gens, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas faire. Il m'a demandé, tu as l'argent? Il dit non. Si vraiment ce que tu veux faire, tu as l'amour, tu n'as pas besoin de 100 000. Ce que je suis, moi, il y a 5 000 dans ma main, je vais commencer. Le lendemain, je suis partie au marché. Elle est 5 000.
Les 5 000, j'ai pris 4 000 pour faire mon marché de mon placali. Tu as acheté quoi? J'ai acheté placali 500, mm-hmm. graines 500, l'eau 1 francs, et les petits, petits trucs. Oh, c'est bien. Bon, je suis venue, j'ai fait... Déjà, les gens me connaissaient dans le quartier. Mm-hmm. J'ai fait matin, je suis sortie. Je me suis levée à 5 heures. Mm-hmm. Au plus tard, 7 heures, ma nourriture était déjà prête. Mm-hmm. Je suis sortie, j'ai commencé à crier. Placali chaud, moment de route de retour. Au plus tard, 8 heures, c'était déjà fini. Oh, moment de route. J'ai eu un peu. Ma première fille s'appelle Ruth. C'est Ruth Emmanuela. Ok. C'est dans ça un peu. Et puis c'est reparti. Aujourd'hui, en tout cas, je rends gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ce parcours? Tu as commencé à être payé par 500, à 500 francs le jour. Et après, une autre dame dit 1000 francs et tu as accepté tout cela. Mmh. Et aujourd'hui, tu as ton propre endroit où tu vends et tu t'en sors. Mmh. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette phase de ta vie? C'est le courage. C'est le courage. Si tu as le courage, il n'y a rien. Mmh. Ce que tu cherches, Dieu va te donner. Mmh. C'est ça. Et tu n'as pas regardé aussi aux difficultés de ton mari pour dire oui, oui, il a des problèmes, vraiment, ça ne m'arrange pas. Si tu aimes quelqu'un, mm-hmm. quel que soit ce que la personne est, tu es prête à supporter. Mm-hmm. D'accord. 3 enfants sans nounou, c'est pas facile, hein? Et comment est-ce que tu gères? Et le commerce aussi à côté? Bon, malgré que je fais le commerce, mais j'arrive à m'occuper de mes enfants. Ils sont pas loin de là où tu vends? Non, non. C'est juste derrière ma cour, où j'habite. Ah, d'accord. Donc, tu as un œil sur la route et, et un autre œil à la maison. Oui. OK. Donc, il y a un souci, les enfants viennent te trouver. Oui. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est la meilleure des choses. Comme on ne peut pas tous travailler et tout travailler derrière notre cour, on est obligé de se... Puisque je n'ai pas les moyens pour prendre nounou, pour s'occuper de mes enfants. Donc... En tout cas, je faisais avec. Tu es la maman, tu es la nounou, tu es tout. Bien sûr. D'accord. Bon, c'est ta nounou. Oui. On t'écoute. Va au plan de travail et parle à nos chères sœurs, à nos chers amis de ce qu'elles devraient faire pour que vraiment la vie en famille et surtout le fait qu'elles s'occupent de nos enfants se passe bien. Bonsoir, chers collègues. Aujourd'hui, nous allons parler des agences de placement. Nous avons des agences boutiques qui existent dans notre pays. Souvent, d'autres sont sous des arbres, des prospectus collés sur des panneaux publicitaires ou bien carrément sous des manguiers. Nous ne savons pas à qui nous adresser le plus souvent. Il faut que nous puissions savoir qu'en cas d'accident, si ces agences boutiques ont disparu, il nous serait difficile de pouvoir avoir de leurs nouvelles et savoir comment faire. Les contacts qui sont affichés, ils ne répondent plus. La nounou a des problèmes. Elle veut s'adresser à son employeur, elle n'arrive plus. Mmh. L'employeur, en cas d'accident ou de désagrément, il ne sait plus à qui s'adresser. C'est vrai que nous avons besoin de nounou, vice-versa, et que nous avons besoin de travail, mais nous devons faire très, très, très attention à qui nous nous adressons quand nous avons besoin de quelqu'un pour veiller sur nos enfants et à qui nous nous adressons quand nous avons besoin de travail. Parce que le plus important, c'est de savoir où nous allons, qu'est-ce que nous faisons et dans quelle maison nous allons travailler et qui va s'occuper de nos enfants. Merci. Merci, Tata Nounou. Alors, les agences... Fatem, tu en as vu? Et puis, Liliane, tu as déjà vu les agences qui sont sous les manguiers, là, non? Oui, oui. Ils mettent une table. Oui. Agence de placement. Et puis, il y a des filles à côté qui sont assises. Placement des filles. Placement des filles, tout ça. Là. Il y en a dans ton quartier? Oui, plein. Plein. Quand on cherche du travail pour les filles, c'est pas bon d'aller se mettre dans ces agences qui sont sous les manguiers, sous les cocotiers, qui sont comme ça, au bord de la route. Ils mettent une table, les filles sont assises sur des bancs. Et puis, on dit, bon, je suis en train de faire... Je suis à l'agence. Bon, moi, sincèrement, ce n'est pas normal. Parce que quoi? Bon, tu t'en vas vers eux. Demain, il peut trouver un souci. Il peut trouver du travail pour toi. Mais demain, s'il y a
un problème là-bas. Tu viens, tu ne les trouves pas. Tu ne les trouves plus. Jamais. Donc, ce qu'elle peut dire aux filles de maintenant, si elle veut partir à l'agence, c'est mieux de partir... D'une agence sérieuse. Oui, oui. Mais je veux... Quelle est l'agence sérieuse? Je veux dire, comment reconnaître une agence sérieuse? Hormis celles qui sont sur les bananiers qu'on peut couper à tout moment. Il y a des agences qui ont des agréments et qui sont bien structurées. Oui, mais je veux dire... est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle d'aujourd'hui, Tata Nounou, c'est vrai, il y a un agrément, c'est un joli bâtiment. Quand on regarde, il y a une secrétaire, il y a un monsieur qui vous reçoit dans un bureau. Mais il y a tellement de faux. Bien sûr, il peut déménager de moi. Non, mais, il déménage. Avant de partir là-bas, Christelle, il faut prendre les renseignements. Comment? On demande quoi? Et à qui? Bon, tu demandes aux gens dans qui sont... Dans le quartier? Oui, oui, les gens qui sont aux alentours. Est-ce que c'est bien? Oui, est-ce oui, que c'est une bonne oui, fille? Oui. D'accord. Bon, enfin, maintenant, c'est, enfin, il y a tellement de choses à Abidjan. Ok, alors Liliane, parlons un peu de ce que tu fais. Aujourd'hui, de 500 francs, tu emploies 4 filles. Ça veut dire que l'activité a grandi. Alors, comment est-ce que ton mari a vu, comment est-ce qu'il te voit aujourd'hui? Il t'a vu commencer avec 500 francs, te débrouiller? Bon, Christelle, aujourd'hui, si mon mari me regarde, en tout cas, il est très fier de moi. Et tes enfants également sont fiers de toi. Oui, oui. Parce qu'ils ont vu maman partir du bas jusqu'à ce niveau. Que pense la famille de ce que tu fais, ta famille à toi? Bon, actuellement, ma famille est très, très fière de moi. En tout cas, ils sont contents. Quand tu te regardes, Maxi, dans 5 ans, si Dieu nous donne la vie, tu te vois comment? Tu te vois avec quoi? Avec une femme petite comme ça, qui a des magasins, les restaurants. En tout cas, ça me fera plaisir. Tu imagines des magasins, des restaurants, les enfants... Je vois ça venir. En tout cas, je vois venir. Tu vois ça... Dans mes rêves. Tu vois ça venir. Oui. Et tes rêves vont se réaliser. Oui. C'est une très bonne vision. Je sais qu'un jour, ça des magasins de pain, comme ce que tu portes, c'est joli. Merci des restaurants. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup et bravo. Oui. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il n'y a rien qui puisse empêcher une femme de pouvoir s'autosuffire financièrement. C'est ça. Tu mets tout ton espoir sur quelqu'un, tu ne fais rien parce qu'il te blanchit, nourrit, tout, il t'habille, tout. Mais tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Demain. Alors que si toi-même, tu fais ta chose avec des 10 doigts. Tes 10 doigts. Forcer un jour pour toi. Et les gens aiment ta nourriture. C'est trop doux. Très. Tu as un secret pour ta sauce là? Bon. On dit pas tout. On dit pas tout aux militants. D'accord. Alors pour terminer l'émission, tu as aimé l'émission? Très bien, je suis très contente. Tu étais à l'aise et tout. Fatem est gentil, non? Très. Ok, dis-nous. Alors viens, on va se lever et puis on va aller parce que pour la fin de l'émission, Lily, tu veux nous faire danser? Bon, nous, à chaque fois qu'on dit danser, on est un peu... Parce qu'on ne sait pas danser du tout. Mais bon, on va essayer. Mais moi-même, je ne sais pas danser, mais on mais est... Mais c'est Happy Shaker, tu veux. On va faire avec. Non, bon, ok, si c'est Happy Shaker, voilà maman Atié qui est là. Elle va nous montrer comment danser. Peut-être c'est elle qui va nous apprendre. Non, toi, tu es Atié aussi, non? Mais je suis Atié, mais peut-être elle sait danser plus que moi, Christelle. Bon, comment on fait? Comment on fait? Rien, non? Mais pourquoi tu lèves ta main? Tu as dit à quelqu'un, non? Tu es suspecte, Lydia. Non, je suis deux. Tu es deux. On dit les attirés, si les femmes attirées dansent, elles font comme ça, qu'elles sont une. Mais quand tu fais comme ça, c'est que tu es deux. C'est pas la peine, je suis plus sur le marché. Ok, comment on danse? On va doser faire la conclusion. On a été très très heureuses de t'avoir, Liliane. Merci de nous avoir fait partager ton parcours, ton expérience, ta vision et puis tes ambitions. Merci beaucoup d'avoir eu confiance en nous pour venir nous parler de ta vie. C'était un moment important et un moment merveilleux. Et je sais que Fatem et Tata, nous sommes très contents. Comment on dit merci en Atié? Nansin. Comment on dit merci beaucoup? Nansin. Nansin, pas nous.
Alors, merci beaucoup d'être passé. On salue tout le monde et puis plein de succès à l'activité. Remerciements à Spiral pour la déco de l'émission. Retrouvons-nous sur les différentes plateformes Facebook, Twitter, Instagram. En replay, vous avez toutes les émissions sur YouTube, toutes les émissions et puis en rediffusion sur ce même canal RTI2 à partir de 22h30 pour réécouter l'histoire de Liliane. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une autre émission de Les Filles. 100% femmes. Allez, bye bye. Bye.